Comme vous le savez tous, avec un résultat de 511 points, les élèves français sont désormais nettement distancés par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE qui se situe à 541 et à la moyenne des pays de l'Union européenne, 540. En tout cas, des pays, pour tout ce qui concerne les pays qui ont participé à PIRLS. Évidemment, ces résultats, cela va sans dire, sont très insatisfaisants. Alors que les résultats des élèves européens progressent en moyenne de 6 points, nous perdons 9 points par rapport à l'enquête de 2011. La France se situe à l'antépénultième place des 24 pays de l'Union européenne qui ont participé à l'enquête. Si en 2001, 7% des élèves français arrivaient à atteindre un niveau avancé, ils ne sont plus que 4% en 2016. C'est donc des résultats préoccupants. Évidemment, cela va de soi, ce ne sont pas des résultats dignes de notre pays. Notre pays devrait être dans les tout premiers en Europe. Il l'a été, il va le redevenir.